Et salut tout le monde, ici Jax Danger pour cette nouvelle émission du Mode Bien Pro avec Sven Malmström. Juste avant que l'émission commence, vous pouvez baiser sur le petit bouton j'aime ou vous abonner ou vous partager si vous aimez le contenu. C'est toujours apprécié, toujours écrire dans les commentaires si vous avez des commentaires à faire sur la série, sur la suite des choses. Là-dessus, on est prêt à commencer la 26e émission, si je m'abuse, ou 27e, quelque chose du genre. Dans cette émission, on a un match contre les Canucks, contre les Canadiens, comme on a pu voir. Donc, un match toujours le fun contre les Canadiens. Les Pingouins, les Blue Jackets et les Capitals de Washington. Alors, je ne sais pas encore contre qui je vais stimuler, mais pour le moment, ça ressemble à ça. Alors que pour Sven, il est rendu un 87 de général. Avec ça, ben, il y a 5 points en 6 rencontres. Toujours pas trouvé le fond du filet, par contre. J'aimerais bien que ça change dans les prochains matchs. Et on est 14e dans la ligue avec une fiche de 3 victoires et 3 défaites jusqu'à présent. C'est 2 à 1 après une, 2 buts sur l'avantage numérique alors que Sammy Blais et Nick Cousins ont tous les deux marqué pour les Rangers. Et c'est 5 à 1. Est-ce qu'on peut participer au plaisir en 3e période? On va se lancer en 3e période alors qu'on a une belle avance. On joue notre dernier match déjà contre les Canucks de Vancouver, qu'on a affronté tout récemment, qu'on a perdu contre eux, je suis pas mal sûr de ça. Donc, maintenant, c'est le temps de la revanche à Vancouver, toujours agréable. Les deux équipes qui ont une fiche de 500 jusqu'à présent dans cette merveilleuse saison. Donc, ça serait le fun, par exemple, qu'on ait une coupe de passe sur les buts, 5 buts habituellement. Sven est là pour participer, contribuer... sur le jeu, mais voyons voir. Alors, la mise en jeu est gagnée par les Canucks. C'est Manson qui tout de suite se fait intercepter par Kittil qui décampe. Kittil remet en arrière à Panarin, un tir retour et compte! My God, Jordan Eberle qui marque. Hey! Et c'est 6 à 1. Les fans des Canucks ne sont pas heureux dans les estrades, je veux dire. Quand tu payes ton billet au-dessus de 100$, c'est sûr et certain que tu aimerais ça avoir un meilleur show. Regardez-moi le gars des Rangers en arrière avec le numéro à Sven Malmström et le C. Il y en a deux là qui ont le chandail de Sven Malmström que je peux voir déjà. Fait que notre chandail se vend déjà très bien pour le gagnant du trophée Calder. Je sais pas si les joueurs ont des revenus qui leur reviennent parce que les chandails se vendent bien. C'est drôle, mais on dirait que je sais pas. Dans ma tête, c'est oui, mais ça m'étonnerait pas que ça soit non, pareil. Ok, oh, passer ça à côté de Ken Hughes, that's it! Ah! Je pensais l'avoir eu. On avait presque réussi le tout, alors qu'on avait déculotté Ken Hughes. Il savait pas partout où est-ce qu'on allait. Là, il y a un joueur en arrière de notre gardien de but, c'est notre ancien joueur. Connor Sherry. Oh boy, Brock Boeser qui voulait accueillir Malmström qui présentement est... en forme ce soir jusqu'à présent. Oh my God, Sven est en forme. Il va remettre ça à Panarin qui marque son tour du chapeau pour Artemi. Regardez-moi ça, le chandail de Sven se vend déjà, ladies and gentlemen. C'est son 3e but ce soir, son 4e de la saison et Sven qui lui mérite toute qu'une passe. Le gardien de but Tachodenko, au revoir, bonne soirée, à la prochaine. C'est Corey Crawford qui s'en vient prendre la relève. My God, c'est 7 à 1. Oh boy! On va avoir du fun à soir, les boys. Je pense que après le match, en plus de ça, on a un gros repos quand même. Là, on avait une couple de jours de congé. Fait que là, c'est le temps là, de me proposer d'aller faire une activité à Vancouver. Qu'est-ce qui se fait à Vancouver? Sniffer de la coke, essayer de sortir de la drogue par les lignes. Je sais pas trop, qu'est-ce qu'il peut faire à Vancouver à part de ça? C'est pas mal les seules activités que je peux trouver présentement dans ma tête. Il aurait pu m'en passer là-dessus, mais il a décidé que autrement. Et là, tir sur réception, mais arrête, Shesterkin, il n'y aura pas de retour. Tasse au bazar, tasse-toi, Sherry. Get the fuck out, lui, il doit se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis parti, esti, de New York, hein? Pour se diriger à Vancouver. C'est quoi cette idée-là? Kravtsov, prenons un tir, pas game. C'est 8 à 1. Et mais c'est 8 à 1. C'est 8 à 1. C'est merveilleux. Puis ça va-tu un plus, ça? Je sais pas encore sa patinoire, je pense.
Écoute, à soir, tout le monde va avoir participé au pointage. Ça continue son deuxième but de la saison pour Kravtsov. Je ne pensais pas qu'il allait tirer, mais finalement, il a tiré. Boone Jenner qui est rendu ici. Ça n'a pas l'air à influencer grand-chose jusqu'à présent. Boone, c'est peut-être tout le problème finalement. Ah ouais, là, on bat de vitesse. Ah, t'aurais dû m'en passer, Kravtsov. T'aurais dû m'en passer, j'avais dépassé le joueur adverse, c'était Savard. Et on aurait pu s'échapper même. Mais bon, Bowser est moins 2 jusqu'à présent. Seulement que moins 2, pas si pire. Peut-être pas la faute du premier trio jusqu'à présent ce soir. Et en plus, le moins 2, c'est dans les deux buts qu'on a marqués tout à l'heure en rentrant en troisième période. Donc, globalement, ils font une bonne job. Le premier trio, eux autres. Non. Oh. Ok, c'est bon. Easy. Donne-moi ça, Panarin. On va aller s'amuser un peu. Moi, tout, je veux m'amuser. Oh, fuck. Toujours pas de but pour Sven cette saison. Oh, ben, c'est grâce. Oh, my God. Panarin avait peut-être son quatrième de la soirée. Que se passe-t-il à Artemis? Il est en feu. Test antidopage direct là, boys. Ce serait drôle, par exemple, qu'il nous fasse des tests antidopage après des belles performances comme ça. Ça doit sûrement être arrivé dans la vie. Oh, retour peut-être. Non. Encore une fois, une belle opportunité. Tain, oui. Les Canucks qui ne sont tout simplement pas dans le coup ce soir. Hey boy, hors jeu en plus de tout ça. Écoute, Patterson, ça va pas bien, hein? Mise en échec de Momsom sur la séquence. On va en avantage numérique. Je pense qu'on l'a marqué 3 fois jusqu'à présent ce soir. Donc pourquoi pas en rajouter un 4e sur l'avantage numérique? Ça pourrait être pas pire. 3-8 jusqu'à présent. Ils ont pris 8 pénalités. C'est sûr que vous vous aidez pas dans ce temps-là, boys. D'Angelo va contourner le joueur. Oh my god, quel tir de merde. 13, c'est qui donc? C'est Sammy Blais. C'était pas ton meilleur tir. Direct dans le toutou, sur réception. Pas ton meilleur. Non. Beau. C'était pas un beau tir. Avez-vous compris le jeu de mots? Moi, oui. Ouais, la petite, j'aurais peut-être pas dû faire ma feinte. J'étais pas mal encadré par plusieurs par joueur. Palmieri. Pourtant, sur papier, les Canucks de Vancouver n'ont pas l'air d'une mauvaise équipe. C'est juste que les Rangers sont arrivés ici avec du feu dans les yeux. Pas game, Cousins. That's it. Mauvais changement du côté des Canucks. Momsom, c'est son premier de la saison. Tonce-toi! Myers, veux-tu te battre? L'année passée, j'étais knocké, hein, by the way. Voyons, Myers. Il a de l'air à chercher à merde, là. Sven Malmström qui marque son premier but de la saison finalement et c'est 9-1 pour vos Rangers de New York. Cole, j'espère que t'es content. Ben oui. Et voilà. Ce tir frappé court, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par tir frappé court, mais ça a l'air que ça c'était un tir frappé court. Est-ce que vous avez vu la même chose que moi? Pas sûr. 9-1 pour les Rangers de New York. C'est qu'est-ce que j'aime voir. C'est qu'est-ce que j'adore voir même. On est capable d'en rajouter. On va en rajouter, pourquoi pas. Hein, on va les humilier totalement. Totalement. Même si c'est pas déjà le cas. Oh, il y a des fans qui ont parti là. Les bancs se vident là, tranquillement, mais sûrement ici à Vancouver. Oh. Eh oui. Pas game. Ah. Beau jeu Crawford Carpon, mais beau jeu de Momsom qui récupère. Ah, les bancs se vident, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Je sais pas, c'est quand est-ce qu'ils ont rajouté ça, mais il me semble que ça le faisait pas dans le passé. Mais là, je suis très heureux que ça soit comme ça. Je me rappelle, NBA le fait régulièrement, ça. Ça se voit assez régulièrement, même que dans NBA, vous pouvez même voir les joueurs qui quittent, les partisans qui quittent en plein milieu du jeu. Avec ça, c'est toujours très drôle à voir. Donc, toujours 9-1, dégagement refusé. Sven, il n'y a plus d'énergie pas mal. Oh boy, par exemple. Ça paraît un petit peu que j'ai plus de jus, hein? Pas game de l'intercepter, puis interception. Ok. Allez, donne un coup de... Ah. Je pensais faire une mise en échec. Bouche. Allez faire mon changement de suite. Avant qu'il soit trop tard, puis qu'on accorde un but, puis que le coach soit pas content. Hein? On va aller faire ça tout de suite. Ça va être fait. Peut-être le temps d'une dernière séquence. 1 minute 2 à faire à la troisième. Prêt à marquer 10 buts. 10 buts, pourquoi pas. Tir, retour, revers.
Il n'y aura pas de retour finalement. Merrill. Qu'est-ce que John Merrill va faire? Il va faire une passe à Yanmark qui va se faire accueillir de l'épaule. Non, 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 non. Oublie ça, oublie ça. C'est qui le 76? C'est qui le numéro 76? Qui est-ce que, qui porte le numéro 76? C'est-tu un Carson, j'ai vu? Bon, on le saura jamais. Je sais qu'on avait fait des additions sur le quatrième trio. Ben, des additions. On avait été chercher des joueurs sur le quatrième trio. Ah, un autre Pissino, pourquoi pas, pourquoi pas? Sven est en feu ce soir, tout simplement. Sven est en feu. Est en feu, est en feu, est en feu. Il veut des points. Il veut des points, il veut des points, il veut des points pour sa fiche. Sven, c'est un gars de séquence. Quand il marque des points, il en marque au moins 3. Cette saison à date, là, c'est pas mal ça. Pas game, pas game. Pas game. Oh my god, quel tir de merde, Panarin, sérieusement là-dessus. Là. Putain, là. Pas game. Ah. Ça se termine par la marque de 9 à 1. On a gardé l'avantage, je pense que c'est correct de dire ça. Un but, une passe seulement. Donc, on n'a pas participé aux 5 premiers buts des Rangers. Mais heureusement, par ma présence, par mon jeu, on a bu un but, une passe. Au moins un but de passe, c'est très, très, très bon. Mais c'est sûr et certain que j'aurais aimé ça qu'on participe un peu plus. C'est quelque chose qu'on manque présentement de la participation dans la simulation. J'aimerais ça que notre joueur simule un peu mieux là-dessus. Pourtant, on est 87 de général, on a monté beaucoup en général. Mais présentement, jusqu'à présent, cette saison, pas beaucoup de points avec la simulation. Une petite gorgée d'eau là-dessus parce que j'ai parlé, hein? Je vous ai parlé, hein? Pas mal. Donc, contre le Canadien de Montréal, on va voir aussi à quoi ressemble le Canadien de Montréal aujourd'hui en 2021. Première période, voyons voir contre les Canadiens de Montréal. On est à New York, première période, 1-0. Jonathan Drouin, deuxième période. C'est 3-1 pour le Canadien, Victor Mété et Morgan Rielly. Bonsoir à Montréal, j'aimerais bien voir ça à Montréal. Et c'est Jimmy Howard devant filet. Alors, est-ce que c'est le gardien numéro 2 ou Carey Price et Chobey quitté? Il est parti. Contre le Canadien, on va mettre des vieux uniformes parce que on sait, Canadien Rangers, ça remonte à très 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 loin leur histoire ensemble. Tiens, on va mettre le chandail de... Je l'aime-tu? Je sais pas pourquoi c'est le seul chandail, des vieux chandails du Canadien de Montréal qu'il y a dans le jeu. C'est celui-là de 1922-1923. Aucune espèce d'idée. Mais il est dans le jeu. On va le mettre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On le voit pas assez souvent. Comme je l'ai dit, il doit pas avoir grand monde qui l'utilise. Donc, jusqu'à présent, Canadiens qui ont l'avantage sur les Rangers, est-ce qu'on peut revirer la situation de côté dans cette troisième période? Voyons voir. Voyons voir. Présentement, j'enregistre, puis il est comme 1h50 du matin. Je sais pas pourquoi, mais il m'a pogné une pogne. Ça m'a pogné. J'étais pas capable de dormir. Puis j'ai essayé de streamer sur Twitch avec mon nouveau setup. Puis ça fonctionne. Fait qu'on va pouvoir twitcher sur Twitch. Streamer sur Twitch, plutôt. Alors que là, j'embarque sa patinoire, puis Kotkaniemi va marquer un but. C'est super agréable. Mais j'adore ça, tu sais, tu sors du banc de pénalité, puis ils sont déjà en 2 contre 1, puis là, faut juste que tu reviennes à ta zone, t'as pas le choix. Puis là, ça te va sur ta fiche, t'es moins 1, t'es pas content. Là, le coach va t'engueuler, puis là, faut que tu fasses une présence forte. Puis là, c'est 4-1 pour le Canadien de Montréal. Fait que si ça paraît que je suis fatigué, dites-moi-le dans la section des commentaires juste en bas. Parce que présentement, on dirait que je suis en feu, mais j'ai comme l'impression que quand je vais me réécouter, il y a des affaires que je vais dire qui vont pas faire de sens. Ça arrive souvent, ça. Quand t'es fatigué, puis que tu t'enregistres, puis tu te réécoutes ensuite de ça, ben, tu te rends compte que t'étais fatigué. Oh, bonjour, Radulov, vous êtes de retour à Montréal, mais c'est donc bien agréable, numéro 47, en plus. Oh, fuck. Ma passe a pas réussi. Troin, non, fuck off. C'est totalement le contraire de tantôt, ça, présentement. 5 à 1. 5 à 1. Il y a des fois les matchs que tu sais que t'embarques dans le match puis tu sens que ça va bien aller. Il y en a d'autres que t'embarques dans le match puis c'est comme non, j'aurais peut-être dû me coucher finalement. Puis ça, c'en est un.
Ça, c'en est un, justement, un match que j'aurais aimé ça aller me coucher à la place. Parce que jusqu'à présent, ça va pas très bien. On a été deux fois sur la patinoire pendant qu'ils ont marqué des buts. Je dirais pas que c'est notre faute, par exemple. Sauf que je pense qu'on a participé quand même à l'échec. Comme là, on a participé à l'échec. J'ai aussi participé à la mise en échec sur Radulov. Juste un petit deux secondes avant, on peut te parler du line-up du Canadien de Montréal avec Morgan Riley et Shea Weber à la défense. On a Alexander Radulov sur le premier trio avec Drouin et Koktoniemi. Ça met pas de l'air mauvais pantoute. Mais souvent avec le Canadien de Montréal, le problème, c'est la profondeur ensuite de ça. Donc on va bien voir ça. Kittil qui va transporter la rondelle d'un bout à l'autre. Va la remettre à Malmstrom en arrière. Malmstrom qui évite un contact. Malmstrom va remettre de l'autre côté à Trouba. Un tir sur réception. Ça va être bloqué. C'est Sammy Blais qui tentait de tirer. Le jeune de Montmagny. Pas capable de tirer sur réception, sur le sens du monde. Tiens, la passe. On va aller faire notre changement. On va aller faire notre changement. 5-1 Canadien Montréal. Ça va pas très bien. Ça va pas très bien. Ils ont Nick Foligno. Ça, je pense qu'il était là l'année dernière aussi, Nick Foligno. Donc, moi, je veux voir les autres joueurs que le Canadien de Montréal ont emporté ici. Jusqu'à présent, on a vu Radulov et Morgan Riley. C'est déjà un très bon début. Ils ont Thornton, Big Joe Thornton à Montréal. Ça, je dirais pas non. Je ne dirais pas non sur un quatrième trio. Big Joe sur le quatrième trio. Wayne L. Nutt. Alors qu'on vient de lui donner la rondelle, puis là on vient de l'accrocher en plus de ça. Joe, veux-tu danser? Joe, veux-tu danser? Il veut pas. Il veut pas, on va laisser ça pour un beau petit 4 minutes. Coach sera pas content de ça. Mauvaise séquence du capitaine qui cherche la confrontation et va pas l'avoir. Puis en plus de tout ça, ben, c'est rendu 7-1 le Canadien. Donc vraiment le contraire du dernier match contre les Canucks de Vancouver. Ouais, c'est un match à oublier. Makhachev qui va tirer. Ils ont encore Max Domi là-dedans. Ils ont aussi Jordan Schwartz qui était là la saison dernière. Tiens, Domi. Domi, lui, va vouloir se battre. Mais voyons, Domi, bats-toi. Fendant, tabarnak. D'accord, Domi veut pas se battre. C'est le premier à vouloir de rejeter les gains dans la vraie vie. Bon, Capitaine va aller s'asseoir encore une fois. Conduite antisportive que l'arbitre a décidé d'appeler sur le capitaine des Rangers. Puis le capitaine a de l'air en furie. Oh my god, puis la passe n'a pas réussi. Ouais, celle-là, j'allais la chercher. On va mettre la marde. Si on n'est pas capable d'aller chercher des points, on va en mettre dans la face du monde. Il s'est vengé. Oh oui, Jordan Schwartz. Je vais me craquer un bon élan, là. Donne-y à Puck, OK? Hey, Radu. Tiens! Il est où, ton bâton? Ça, je pensais. Schwartz. Je t'ai... Sven qui est agressif, ladies and gentlemen. Ne joue pas la rondelle pour 5 secondes. Tu craignes des élans. Ah, charging. Si, reste debout. Tabarnak. Donner du coude. Ah, ouais, c'est vrai. Ça, tu peux coller ça des fois, coller du coude. Et là, Sven nassé, là. Ça craint que l'arbitre l'a pas sorti après ça sur le coup sur Schwartz, là. Hey, Schwartz. What's up? Je me rappelle de toi. Fuck. Weber. Avez-vous vu Weber là-dessus? Il a essayé de venir m'accueillir. Il a essayé. Oh, Suzuki aussi. Ok, là, on commence à avoir des rivaux. Putain, toi, Schwartz. That's it. C'est ça que je pensais. Hey, toi, Suzuki, get the fuck out. Prochain, c'est Weber. Ici. On essaie de planter Weber bien raide dans la bande. Why not? Sven en a vu assez ce soir. On va aller s'asseoir. On va aller s'asseoir, prendre une Tylenol. Coach sera certainement pas content de notre présence ce soir. Mais au moins, j'ai eu du fun. Oh, powerplay, on peut avoir du fun. Let's go. On va aller faire un point. Pourquoi pas?
pourquoi pas. Une 55 à faire à l'avantage numérique, le Don Ben Chase qui est réussi. Et voilà, Sven qui va récupérer. Oh. On l'a encore. Oh, David Perron avec le Canadien de Montréal en plus. Prendre notre temps, prendre notre temps, prendre notre temps, prendre notre temps. Ah, fuck. Reviens du côté droit. Prendre notre temps, prendre notre temps, prendre notre temps. Oh my god, ça a dévié dans les airs. Howard qui est allé le chercher avec la ronde, avec la mitaine plutôt. Ouais. C'était un match comme ça. Hein? Oh fuck off. Je vais pas la chercher. Je vois pas l'effort certainement pour aller chercher cette rondelle-là quand c'est 7 à 1. Es-tu fou? Eberle, ça te tente? Ça te tente, ça te tente, ça te tente, Eberle? Oh my god. Eberle qui fait un show avec une marque de 7 à 1. Peut-être pas l'affaire que le coach voudrait voir présentement. C'est... Oh! Fuck off. J'irai pas contre le joueur. Oh my god, j'aurais peut-être dû y aller finalement. Comment il a fait pour intercepter ça avec le bout de son bâton, le bout de sa palette? Wow! What the fuck? What the hell? Ref? C'est quoi ça, là? Hey, il me voyait, là. Je veux dire, il me voit m'emmener, là. What the fuck? Yo, petit Chris. Hey, mon tabarnak, ma tête. Fuck la rondelle. Ah, oh, ben tu colles ça! Ah, oh, ben tu colles ça! Ah, oh, ben mange-moi le cul! Non, mais sérieux, là! What the fuck? Ah, je vais m'en rappeler du Canadien de Montréal. Non, mais je vais... Non, genre, oh boy, c'est pas fini, cette affaire-là, là. Oh, c'est pas fini, cette affaire-là. Capitaine n'a pas dit son dernier mot. Oh, 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 que non, là. Non, c'est pas vrai, là. Quand j'ai dit que c'était la dernière fois que ça va arriver, je me suis croisé les doigts à maudit, parce que là... Max Domi, je vais m'en rappeler de toi. Oh, boy. Il veut pas acheter les gants. Puis ensuite de ça... Ça en vient me faire un coup salaud pendant que j'ai pas la rondelle. Ok. Je vois totalement ce qui se passe présentement. L'arbitre a échappé complètement ce qui vient de se passer là. Moins 3 pour Sven, je m'en sacre. Il y a des affaires plus importantes que ça, il y a de la dignité dans tout ça. Non, c'est pas vrai que je vais me laisser faire. Non, c'est pas parce que je suis un Suédois que je suis fait faible. Ok? Contre les Pingouins de Pittsburgh ensuite de ça. 0-0, 1-0. Et ça va se terminer 2-1. On a perdu, on a choqué. Incroyable. Je voulais simuler ce match-là pour jouer contre les Blue Jackets de Columbus parce qu'ils ont eu tellement de mauvaises fiches que ça vaut la peine d'aller jouer contre eux autres. On va aller parler à notre agent, parce que notre agent veut nous parler. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Max Domi, je veux le tuer. Je sors d'un rendez-vous avec une marque de vêtements chic. Elle aimerait te proposer un contrat. Vêtements chic, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que mon suit est considéré comme un vêtement chic? Ouais, leurs costumes sont vraiment beaux. Qu'est-ce qu'ils proposent? Je vais décliner cette proposition, Taylor. Non, je veux de l'argent. C'est du haut de gamme. Qu'est-ce qu'ils veulent? On va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. S'il y a de l'argent, ça me plairait. Ça ne plairait pas aux fans de ma ville natale. Je passerais pour un vendu. Wow. Non. Je m'en fous, moi. Je m'en fous, je veux de... Oh, 75 000! Hell yeah! Les réseaux sociaux seront pas contents, mais je m'en sac. Moi, c'est 75 000 $ dans les poches de Sven. Écoutez, on a les poches en plus de tout ça.
à l'abdomen. Fait que c'est parfait, ça va tout fitter là-dedans. Fait contre les Blue Jackets de Columbus, ensuite de ça, 1-9-0 leur fiche. C'est 2-1 pour les Rangers. Nick Cousins et Josh Anderson ont marqué. Deuxième période, c'est 4-2. Parfait, c'est qu'est-ce que je voulais voir. C'est à ça que je m'attendais aussi. Contre les Blue Jackets de Columbus, ça va pas très bien cette saison. Donc, on va en profiter dans ce temps-là. Hein? On va aller marquer des points. Des points, 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 points. Let's go. En tout cas, je pense que vous allez aimer cette émission-là. Jusqu'à présent, ça brasse, ça brasse. Est-ce que les Blue Jackets de Columbus, eux autres, veulent brasser? Je suis prêt, là. Ah, écoute, je commence encore une fois sur le banc de pénalité. Sven, il y a de l'air indiscipliné cette saison-là. Yeah, je suis de retour. Ça, c'est tellement une affaire qui... Ça fait comme depuis NHL 2018, je pense que ça fait ça. Tu peux souvent commencer la troisième période sur le banc de pénalité, puis les premières secondes, tu vas sortir. Je sais vraiment pas pourquoi, mais ça fait ça souvent. Très souvent même. Plus que très souvent, en fait, c'est presque une normalité rendue là. Soit tu commences sur la patinoire, ou soit tu commences au banc de pénalité. Il n'y a pas d'autre façon que tu peux commencer la troisième période. That's it. On a-tu de la vitesse? Oh boy, c'était pas pantoute là que je voulais faire ma fin. Wow, Renski, là, calme-toi. Là, j'avais compris après le premier coup d'épaule là. Mais la fin, c'est pas pantoute là que je voulais faire. Ok, j'étais passé à la patinoire, une chance. Ça a failli qu'on coûtait un but là. On avait Atkinson qui arrivait avec de la vitesse. Mais notre gardien but qui résiste. Coach, je suis là, oui, ouais. Touche-moi pas de même. Je te l'ai déjà dit, coach. Les coups dans les abdomens comme ça, je n'apprécie guère point. Fait qu'on va embarquer. Coach, il veut qu'on fasse comme d'habitude. On va prendre les mêmes réponses que d'habitude. Fait que ça, si on avait à changer ça, je pense que il referait pas la même chose. Hein? Les discussions après chaque présence, c'est redondant, inutile. À la fin de tout ça, là. Oh my god, j'ai rien. Et c'est pas de ma faute, on va dire. C'est peut-être de ma faute. Ouais, c'est sûrement de ma faute. Ben, Warenski, mon petit coup d'épaule de Sven, il va se reprendre au moins avec une belle interception. Ensuite de ça, on va essayer de passer ça à côté du défenseur. On a passé ça en arrière du défenseur, fait qu'on est heureux. On va aller chercher la rondelle, why not? On va remettre ça à notre coéquipier, Panarin, qui va échapper à la rondelle. Et ça va être un échappé pour Alex Aifalo, au moins c'est l'arrêt. Le retour, un tir, c'est bloqué, ça va être dans le coin qui va récupérer, c'est nous autres. Ok. Un focus, Ven, là. Chaque le premier match, tu te déconcentrais un peu, tu faisais ton show. Puis là, depuis un certain temps, tu fais plus grand-chose, à part des coups salauds. Kittil, garde la rondelle, va remettre à Panarin va perdre la rondelle, et là, c'est Dubois qui va la perdre à son tour, ça, on s'échange la rondelle des deux côés. Let's go, boys! Pas game d'attaquer. That's it. Ah, accompli. Gros save. Touche pas à Panarin, toi, là. Gros Lyubushkin, là. Lui, là. Lyubushkin, en tout cas. Je sais pas vraiment comment prononcer son nom. Ils ont Christian Desroches. C'est-tu Charlie Desroches qui joue là-bas? Brower. C'est quoi, c'est un line-up, là? Charlie Desroches, c'est genre un joueur de la LHMQ. Mais genre, pas bon. Pas tant bon que ça, là. Pas pour jouer la deuxième année dans la Ligue nationale. Christensen non plus, ça n'a pas l'air d'un bon joueur. Tu check ça, il vient de perdre la rondelle. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont 1-9 et quelques. Lui, il vient de bloquer un tir avec sa face, puis il s'en fout. C'est un guerrier. Un vrai, de vrai, de vrai guerrier. Et là, on a Adam Lowry qui s'amène à Wilson, à Brower. Un tir bloqué, retour. On n'a pas de dégâts, au moins. Ça aurait pu être dangereux. Trouba, ça ne tente pas de compléter la tâche puis d'aller chercher cette rondelle-là. Non, ça en va. Je sais pas trop où. Ça en va chercher la rondelle. OK, il vient de la perdre. Puis nous autres, on va faire notre changement tout de suite. Parce que ça va pas très bien là, dans notre zone. On s'est fait dominer genre par notre quatrième trio adverse. Ça allait pas bien pour nous autres. En tout cas, on va oublier cette séquence-là. 4-3. 5-20 à faire en troisième. Peut-être qu'on va pouvoir marquer dans un filet désert.
les Rangers qui eux autres ont perdu leurs deux derniers matchs. Mais c'est sûr que quand tu affrontes les Blue Jackets du Columbus, c'est une belle façon d'aller chercher une victoire assez facile. Oh my god, beau jeu, belle interception de Werenski. Bemstrom, non, oh fuck off. Texier va remettre à Johansson une fin d'arrêt. Marcus, tu dois tellement regretter d'être parti là, présentement. Là. Même si on n'a pas une belle fiche, là, je veux dire, ça peut pas être pire que les Blue Jackets de Columbus présentement. Là. Right? Dump and chase, c'est pas moi qui vais aller chercher cette rondelle-là, certainement. Fait que, 4 minutes à faire, tiens-toi. Johansson, get the fuck out. Excuse-moi, mon ami, c'était pas personnel, tu le sais bien. Mais t'étais une cible facile. Lève-toi la tête prochaine fois. Oh my god. Oh my god, les entrées de zone comme ça, ça fonctionne pas. Blue Jackets et Columbus qui vont affronter. Oh non! Coach, je veux marquer dans un filet désert. 25 secondes, j'ai le temps peut-être. On va essayer. On va essayer d'en profiter de ces 25 secondes-là, mon ami. Tiens-toi. Tiens-toi. 16 secondes, 15 secondes. Du coup, cherche un rondelle. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Arrête de la manger. On va la donner. Oh my god, shoté. Il y a un petit coup. J'aurais dû shoter finalement. Maudit crème. J'essaye d'être généreux à ce type. Puis il rate le net complètement. Puis là, le coach n'est pas content parce qu'on n'a pas réussi à garder. Ils ont réduit l'écart. Oh, bye bye. On a gagné. On a gagné le match. On va le prendre. Une petite gorgée d'eau. Alex Follow qui va chercher la troisième étoile. Coach est pas content. Et on va finir le tout contre les Capitals de Washington. Qui, eux, ça devrait être intéressant parce qu'on sait qu'ils ont pu Ovechkin. Ça, c'est l'année dernière. Il était rendu avec les Pingouins. Je sais pas toujours pas s'il est d'accord avec les Pingouins, Ovechkin. Je l'espère bien. Je l'espère bien. On a fini plus 1, au moins. Au moins plus 1. On va le prendre. Mais encore une fois, comme je l'ai mentionné lors du premier match, la simulation présentement nous aide pas vraiment. Ça, c'est un peu plate. Le fait qu'on n'est pas capable d'avoir des points sur la simulation, ça m'embête un peu, là. Surtout qu'on est 87 de général. Habituellement, on est supposé bien simuler. Mettons ces exercices. Wow. Mettons ces exercices de passe en pratique ce soir. Tu te sens d'attaque pour créer les occasions. Bien sûr, je vais essayer de marquer le premier but. Non, merci. On va tenter. Je sais une passe lors du prochain match. On va essayer ça. C'est pas tant pire. Merci, le Breadman, de me donner justement un objectif qui est réalisable. C'est très apprécié. Très, très, très apprécié. Surtout contre une équipe comme les Capitals de Washington. Ça pourrait faire du bien. Aller chercher une victoire contre une équipe qui a une bonne fiche. Entre parenthèses, pas excellente, mais une bonne fiche quand même. Première période, c'est 3-0. Eberle marqué deux fois et Kittil a marqué aussi. Deuxième période, c'est 3-1. Richard Panik qui est encore là-bas. Donc, let's go. Troisième période, on va mettre... Quel chandail? On va mettre... Lequel que je veux voir du côté des Rangers. Pas lui. On va mettre lui. Il est pas le plus beau, mais on va le mettre. Puis, eux autres, je veux voir le Reverse Retro parce que... J'ai acheté dernièrement, justement, le vieux chandail des Capitals de Washington, le bleu, justement, du style du Reverse Retro qu'ils ont utilisé. Donc, c'est ça. Si vous écoutez la table du hockey, vous l'avez vu, je l'avais sur le dos lors de l'entrevue avec Kevin Dufour. Cette semaine, lundi 19h30, on va recevoir... Félix Robert, qui est dans ma fiche dans ma série avec les Diablos de Québec. Donc, c'est assez drôle de le recevoir pendant que je l'utilise dans un mode franchise. C'est toujours très, très, très drôle à voir. Donc, coach, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Même affaire que d'habitude. Faut faire de la pression, faut contenir l'adversaire, etc. Vous connaissez l'histoire maintenant rendue à la 27e émission. On a une petite gorgée d'eau. Let's go, boys. Ils ont encore Kuznetsov, au moins. C'est déjà très, très bon. Tiens, pourquoi pas. Panarin. Eberle, ça passe entre les deux jambes. Cool. Super.
C'est comme ça qu'on fait une entrée de zone, les boys. On se fait des feintes entre les deux jambes, puis on échappe la rondelle. C'est comme ça qu'on fait des entrées de zone. Écoute, si vos entraîneurs ne vous l'ont pas montré comme ça, ben écoutez-les pas. Ce sont des menteurs et des fraudes. Marais, Jarry, merci. Merci. T'as donné un peu de la misère, ce tir-là, hein? Ça le cachera pas. Un petit peu de la misère. Kittle va la remporter dans le coin. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner le tour de chapeau à Jordan et Belly? Ça peut pas pire, ça. Kittle, pas game. Pas game, je suis là. Va le placer. Ah! Non, là-dessus, j'ai plus vraiment langue. J'aurais peut-être dû faire le tour du filet là-dessus. Faut utiliser le tour du filet des fois. Ça peut porter fruit. Oh, pas game. Manarine. Ok. Oh, Eberle qui travaille très bien au dépens de John Carson. Et Rasmus Ristolainen qui est rendu avec les Capitals. Surestimé ce Rasmus-là, je trouve. Pas un très bon défenseur, Rasmus Ristolainen. Si on regarde toutes les statistiques avancées, là, c'est un défenseur très ordinaire. Il ne devrait pas être un défenseur de première paire, en fait. Il devrait plus être un défenseur de deuxième paire, selon moi. Mais vous savez qu'avec les Sabres de Buffalo, ils n'ont pas le luxe de se payer ça pour un deuxième paire, un Rasmus Ristolainen. Donc, jusqu'à présent, pas grand-chose. Pas grand-chose. On va essayer de provoquer quelque chose drette là. Why not? Why not? Moi ça. Ouf. 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 Ah, presque. Presque réussi. Donc, quand je disais que j'allais provoquer quelque chose, vous l'avez vu. J'ai tout tenté. J'ai tenté quelque chose. Ça a presque fonctionné. J'ai réussi à contourner le défenseur. Et puis, on a failli provoquer une occasion là-dessus, Larson. Non, Larson, retourne. Qu'est-ce que tu fais, Ristolainen? Tu vois bien que c'est un hors-jeu? Qu'est-ce que tu essaies de faire, toi, là? Rasmus, come on, un peu de sérieux, là. On essaie de jouer au hockey ici. Puis toi, tu rentres en zone pendant qu'il y a un hors-jeu. Ouais, je vous dis. C'est pas donné à tout le monde le sens du hockey, hein? Arrête de gérer, il n'y aura pas de retour. Tassez-vous. Tout le loup, tassez-toi. Je sais pas t'es qui, je sais pas pourquoi tu joues avec les Capitals. Get the fuck out. Vrana, Ristolainen à Carson. Carson va perdre la rondelle, va la récupérer. Cette fois-ci, c'est Kuznetsov. Ristolainen, Carson, on s'échange le disque. On n'a pas vraiment d'option. Arrêt facile, tassez-toi Yoshi. Tassez-toi toi aussi, Vrana. Get the fuck out. Allez-vous-en, mon gardien de but. Bon, 13-4 à faire. Non. Je le voyais venir, là, come on. Ristolainen, un peu de sérieux. Et voilà, beau jeu là, de Panarin. En repli défensif. Oh, Kittil, sors ça de là. Arrête de revenir sur tes pas. Sors ça. Je suis là. Essaye de me faire des passes. Peux-tu, s'il vous plaît? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait pour que tu me fasses pas de passes? Wow! Ils ont marqué un but! Comment ça s'est passé, ça? TJ Oshie qui réduit l'écart à un seul but. Fait que là, le coach sera pas content. Cool! Super le fun. Super agréable. On va rester un peu plus défensivement parce que là, ça va pas très bien. Kuznetsov, non. Rana non plus. Ah, oh, fuck off, c'est ma rondelle. C'est ma rondelle, j'ai dit. C'est ma rondelle. Donne-moi ça, c'est ma rondelle. J'ai dit que c'était ma rondelle. C'est ma rondelle. Ok, non, c'est à lui. Oh my god, gros arrêt. Samsonov là-dessus. On a fait la passe à l'ancien capitaine, Chris Kreider, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Bel arrêt. Kuz, Netsov. Non. The fuck off. Oh, fuck off. Non. Là, c'est à moi, merci. Merci beaucoup. On a tout l'espace à droite. Oui, non, oh fuck off. Beau jeu défensif de Johansson. Je sais pas c'est qui. Johansson numéro 6. T'es qui toi? Wow. T'es qui toi là, Johansson? Je sais que c'est pas Marcus.
C'est un Johansson défenseur avec le numéro 6. 30 points à celui qui est capable de le trouver dans la section des commentaires juste en bas. Un tir, retour, tir, what the fuck. Kittel, c'était-tu ça un tir pour toi? On a fait notre changement, fait comme ça on aurait peut-être une chance de marquer dans un filet désert. Pour la première fois de la carrière de Sven Malmström, je vous rappelle que présentement, en sa carrière, n'a toujours pas trouvé le fond du filet dans un filet désert. 1,50 à faire, c'est 4 à 2, on a toujours une chance. It's toujours possible. Arrêt, retour, Vrana, t'es mort. Tais-toi. Finalement, il est en vie, il respire bien. Ouf, ça, moi je suis mort pour de vrai. Ristolainen, de dos, c'était bien ordinaire. Bien ordinaire. Ouh, gros uppercut. Let's go. Let's go, Kravtsov. Venge-moi. Venge-moi. Je suis encore en santé, mais c'est que... Ouh. Let's go, Kravtsov. Let's go, Kravtsov. Tu l'as. Attention. Fuck off. Let's go, uppercut. That's it. Wouh. Ok, j'arrête. Gros jeu là. Ouf, ça c'était dos là. Ok, puis il n'y a pas eu 2 minutes là-dessus. Tu me niaises, ref? Oh my god. C'est comme dans la vraie vie, hein. Dans l'équipe adverse perd. Puis qu'il reste pas beaucoup de temps, l'arbitre colle rien. Absolument rien. Faut ça pour le show. Showtime. Parce que ça, c'est un 2 minutes au moins. Au minimum, 2 minutes. Kuznetsov, arrête. Donne-moi ça. Coach, laisse-moi. Merci. On va gagner la mise en jeu, puis on va aller scorer. Check bien ça. Ah, fuck off. J'allais. Pognez-la. Ok. 3, donne-moi ça. Ah, fuck off. Moi, j'ai fait pour rater ça. On a encore plein de temps. 30 secondes. On va quand même jouer défensif parce qu'il y a un but d'écart seulement. Manarin, c'est mon but. Donne-moi ça. That's it. Le point facile. On va le prendre. Capitaine qui marque dans un filet désert. C'est 5 à 2. Et ça devrait donner des points, parce que le coach va être content parce que j'ai marqué un but. Merci, coach. That's it. Ouais. L'eau goûte meilleure maintenant. Donc là, il reste 20 secondes. Peut-être qu'on peut en profiter puis en rajouter un autre point pour Sven. Pourquoi pas? Hein, on va essayer. Ok, Orlov qui commence à faire du domaine chase. C'est ordinaire. Là. Comment ça? Oh my god, j'ai rentré dans mon joueur. Elle sera... Oh, fuck off. On va rester en retrait. En tout cas, why not? Let's go. Donne-moi ça. Oh, fuck off. Ah, oh, bref. Bon, fait que là-dessus, c'est qu'est-ce qui va mettre fin à l'émission. Encore une fois... Attendez. Je suis en train de penser à quelque chose. On avait un objectif de faire au moins une pause par Panarin. On a eu un but, Panarin. Je sais pas si c'est mieux pour toi qu'une pause. Bon, on va regarder. Je vais voir la réponse de Panarin, voir s'il est intelligent, s'il voit que j'ai eu... Ah, j'ai une pause. J'ai eu une pause. Fait que Panarin devrait être content. Oh, puis on a un match revanche en plus de ça dans la prochaine émission contre les Capitals de Washington. That's it. C'est qu'est-ce que j'aime voir. Artemi. That's it. Il est content, notre assistant. Donc là-dessus, c'est qu'est-ce qui va mettre fin à cette émission. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Écrivez des commentaires dans la section des commentaires juste en bas. Et on se dit à la prochaine.